Cette brune studieuse, assise sagement sur les marches, s'appelle Hélène. Seule sur une marche, les yeux dans... Hélène a 26 ans, elle est aide-soignante, elle aime la gym suédoise et passer des heures dans son bain. Elle, c'est Tiffany. Tiffany est une jolie blonde de 25 ans, elle est infirmière et elle aime les talons de 12 cm et surtout les soirées potins entre copines. Tout un programme. Elles se retrouvent pour aller ensemble d'un pas léger chez Marionneau pour régler le problème d'Hélène. Hélène adore se maquiller. À chaque fois que je la vois, elle a un super regard avec ses beaux yeux bleus. Mais en revanche, c'est vrai qu'elle n'ose pas se maquiller les lèvres puisqu'elle trouve qu'elle a les lèvres trop fines. Du coup, on s'est décidé et on vient voir Olinda aujourd'hui pour qu'elle puisse lui apprendre à se maquiller les lèvres et les rendre plus pulpeuses. Pulpeuses et sexy, c'est possible. Bonjour madame. Bonjour. Enchantée, je vous accompagne en cabine. Impeccable. Que recherchez-vous aujourd'hui? Alors en fait, je ne maquille jamais les lèvres parce que je les trouve trop fines et j'aimerais avoir des astuces pour les rendre plus volumineuses mais tout en restant naturelle. Donc là, on prend le baume repulpant. On va l'appliquer sur l'ensemble des lèvres. Donc l'idéal, c'est de le laisser poser donc une dizaine de minutes pour que les actifs aient le temps de fonctionner. Donc vous le faites au doigt, hein, c'est assez rapide. On enlève le surplus avec un mouchoir. Pour redonner donc plus de volume, il faut redessiner légèrement au-dessus de votre ligne naturelle. On part du cœur de la bouche et on va dessiner juste au-dessus légèrement, ce qui va permettre de donner beaucoup plus de volume et d'avoir un effet visuel immédiat. Choisissez pour le rouge à lèvres, par contre, une couleur vraiment ton sur ton. On commence toujours par le cœur de la lèvre et on va sur les côtés. On le mélange vraiment en fait hein, au crayon. C'est pour ça que le choix de la couleur est vraiment très important. Là, je vais finir donc avec un gloss. On finit avec un gloss volumateur qui va attirer la lumière et repulper les lèvres instantanément. On applique le gloss uniquement au centre des lèvres afin de jouer sur les volumes. Juste sur le bas de la lèvre. Ramenez uniquement la lumière sur cette partie. Vous avez donc des lèvres qui sont plus repulpées, plus volumineuses. Merci beaucoup, Linda. Je vous en prie. Voici l'ordonnance beauté d'Hélène. Geste 1, repulpé. Baume lèvres repulpant Once Upon a Time. Geste 2, coloré. Court tour des lèvres sans punk, CK One Color. Rouge à lèvres pure color, Wanted, CK One Color. Geste 3, parfaire. Instant volume, lip gloss. Pur cristal HC. Le résultat est beau. Enfin, je vois Hélène les lèvres maquillées. C'est vraiment très joli. J'espère qu'elle va continuer à se maquiller les lèvres. Ça lui va vraiment trop bien. Tiffany en a profité pour elle aussi faire quelques courses. Et elles vont repartir maintenant ensemble, tranquillement, gaiement, joliment, évidemment. Merci les filles, à la semaine prochaine. Marionneau, à chaque jour sa beauté.